Est-ce que ça marche au moins? Oui, ça filme là. T'en es sûr? S'il te plaît, essaye de pas trop secouer la caméra. Ah, attends, et comment ça marche ce machin? La technologie, c'est pas ton truc, toi. Attends, je me suis jamais servi d'une caméra. Mais par contre, je sais paraître belle à l'écran. Il faut bien que tu mérites ton salaire, d'accord? Mais tu m'as même pas payé! Ouais, c'est là où je voulais en venir, justement. Écoute, sans moi, tu ne saurais même pas que ça existe. Je ne sais même pas ce que c'est, mais dans tous les cas, faut que je fasse le pitch. Alors tu tournes la caméra vers moi. D'accord. Aux millions de gens à travers le monde. Des millions? Tu n'as que 12 abonnés? Ok, j'ai peut-être au moins 20 vues, mais enfin, je suis Brandon, merci d'être au rendez-vous. Nous sommes à Dallas, Texas, et je ne sais pas si beaucoup d'entre vous connaissent cet endroit et ce qu'il se passe là-bas. J'y connais pas grand-chose non plus, à part le fait que des choses étranges vont se produire. Vas-y, raconte-nous, donne-nous un indice sur ce qu'on va faire là-bas. Allez, vas-y, tourne vers toi. Attends, on se rend chez Michael, qui est un pote de Calvin, mon copain sexy. Génial, j'arrête le moteur. Et c'est parti! Tu penses que Michael sera d'accord pour que ce soit toi qui filme? Sérieusement? Ouais. Ça va, je lui parlerai. N'oublie pas que c'est Calvin la star. C'est Calvin la star, je risque pas de l'oublier ça. J'arrive! Hey! Salut! Lanette? Ouais, moi c'est Lanette. Brandon. Salut Brandon. Entrez les amis. Cours de cinéma. Cours de cinéma? Ouais, Final Cut. Oh! After Effects. Je m'en rappelle, ouais. Ouais, d'accord, je m'en rappelle. C'était juste pour être sûr. Il n'y a pas de problème. Et toi, tu es? Je m'appelle Shay. Salut, Shay. Je suis la copine de Calvin. Je suis la sœur de Calvin. Contente de te rencontrer. Mon Dieu, tu es magnifique. Oh, c'est vous gentil. Vous ressemblez. Ça doit être dans d'accord. les gènes. Écoute, Calvin est là-bas. Ok. Ok, merci. Bon, très bien. Alors, écoute-moi. Allez, suis-moi. Okay. Donc, Brandon, je sais que t'adores toute cette histoire de vidéo, mais Michael, c'est pas son truc. Calvin, lui, le grand noir, bam, okay. Il adore ça. Il va passer son temps devant la caméra, il pense être une star. Cool. Michael, il est un peu, tu sais, arrogant. Super chouette. Michael, Brandon est là. Qui ça? Brandon, je m'appelle Brandon. Hey. Et tu t'appelles? Michael. Content de te rencontrer. Content de te rencontrer. Qu'est-ce que c'est? Merci de me laisser filmer. Je t'en prie, c'est pourquoi? Je suis sûre ça va être de la bombe. C'est sûr, je suis super chaud aussi, on va bien s'amuser. Je suis toute excitée. Ouais. Et Michael est plutôt mignon. Hey, comment ça va? Moi, c'est Calvin le beau gosse, tu vois, 100 kilos de muscles. Et voici ma magnifique Roxane. Oh, super, tu peux venir m'aider? Ça va, je plaisante. Je reviens tout de suite, bébé, je vais aider. Quand je suis avec lui, je suis sans voix, désolée. Avec elle, je me sens bien. Il faut juste qu'on mette la table là. Vas-y, pose. Fais gaffe, allez. J'ai pas fait exprès. Très bien, très bien. Puisque tout le monde est là, quelqu'un peut nous dire exactement qu'est-ce qu'on fait ici? Je peux. En fait, j'adorerais vous le dire, mais pour commencer, je veux qu'on éteigne ça. J'aime pas ça du tout, la non, caméra non, non, me dérange. Ça fera des millions de vues. Allez. Non, éteins tu ça, s'il te plaît. Millionnaire. Brandon. Merci, Calvin. Éteins-la. Oh, calme-toi, bébé. Oh, tiens, j'ai à nouveau la caméra devant moi. Ok, j'ai juste besoin de 30 secondes. C'est tout ce que je demande. Quelque chose d'intéressant, s'il te plaît. 30 Allez. Secondes. C'est parti. Tu connais Shay avec qui je suis arrivé? Oui, je connais Shay. On est tous les deux à l'AFNI. On n'est pas là pour rigoler. C'est quoi l'AFNI? C'est l'Académie du film de New York. L'Académie du film de New York? Oui. Mais c'est Dallas ici. Ne mets pas la logistique sur le devant de la scène. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Avec la caméra qui tourne, pour ce que je veux faire, je ne pense pas que ça va aider. En fait, je pense que ça va pas le faire. Comment ça, ça ne va pas le faire? J'ai besoin de détails. Je sais moi. Ce que tu veux, mais. Mais dis-moi ce que c'est, on n'a pas le droit d'échouer. Ça va pas marcher. Si tu gardes ça pour toi, je te dis ce qu'on va faire. Ça marche? Ça marche. Ce qu'on va faire exactement, c'est. De la planche Ouija. Oh mon Dieu, mais t'es sérieux là? Je sais, c'est énorme. Oh, chut, oh, c'est je génial. Je sais, je suis excité aussi, parfait, mais chut, parfait. C'est pour ça que je ne veux pas qu'il y ait la caméra. Je veux dire qu'on va voir des esprits et les esprits n'aiment pas être filmés. Sans rire, t'as déjà vu une photo ou des vidéos de fantômes? Twilight. C'est un film et ce sont des vampires, c'est pas le même univers. Alors éteins-moi ça, s'il te plaît. Tu ne peux pas me laisser filmer un tout petit peu, maintenant que je suis là. D'accord, on va faire ça. Il va falloir préparer le terrain. Il y a certaines règles qu'il faut connaître. Je te laisse filmer ça. Mais une fois qu'on commence le Ouija, tu arrêtes de filmer. Est-ce que ça te va? Ouais, ça peut le faire, merci. Je t'en prie. Autofocus, bien. Exposition, parfaite. On risque d'avoir des choses sympas. Je vais vous dire ce qui va se passer ce soir. On va jouer avec une planche Ouija, ok les amis? Donc ça va faire peur. Des histoires de fantômes. Qui peut dire ce qui va arriver cette nuit? Mais si vous ne restez pas, vous ne le saurez jamais. T'en as jamais assez. Je t'ai dit que je te laissais filmer un peu et maintenant tu veux des interviews. Michael a toujours traîné avec nous. Tu sais, c'est le meilleur ami de Calvin, donc bon. Eh bien, Calvin et Lanette, je les connais depuis toujours. En tout cas, ça fait très longtemps. Quand j'ai emménagé ici, Calvin a été ma première rencontre. Je sais pas. Je pense pas à lui de cette façon, sois pas stupide. Calvin et moi, on est allés dans ce club. On s'est rencontrés dans une boîte. Oui.
C'était le Luna Lounge. Oui, le Luna Lounge. Ah, c'était il y a quoi, un mois? Oui. On était tous les deux en train de draguer cette fille. Et puis je suis parti au bar car je voulais boire un verre. Et en fait, c'est à ce moment-là que j'ai vu Shay. Puis on a commencé à parler tranquillement. Et là, tu vois, c'est là qui est arrivé. Mon t-shirt est trop serré pour mes abdos, Calvin. Elle portait cette magnifique robe rouge en satin qui épousait parfaitement ses formes et elle était genre... Waouh, je n'étais pas en robe rouge moulante, bébé. Et quand il est là, tout le monde ne regarde que lui, donc... Shay a commencé à lui parler et puis on connaît la suite. Ah oui, 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 oui. Quoi? Tu te souviens quand on discutait et que je te disais que j'avais rêvé de nous deux sur une plage à danser la salsa? J'ai jamais vu quelqu'un réussir à autant bobiner les filles. Je me suis toujours demandé comment elles faisaient pour croire tout ce qu'ils disaient. D'accord. Et je repensais à cette nuit-là. Tu sais, cette nuit où tu portais... De quelle couleur était la robe, déjà? Elle était bleue, oui, sans bretelles. Oui, voilà, c'est ça. Une robe bustier bleue. Tu étais magnifique. Celle-ci, c'est la copine riche. Oh, tu as mis la montre? Ah oui, c'est elle qui me l'a offerte. Elle est belle. Regarde. Une Rolex, yo. Et ensuite, t'as la copine sexy, la copine pour coucher, la copine mignonne, la copine j'ai une nouvelle voiture, la copine on fait le tour du quartier. Oh, refais ça encore une fois. Et combien tu paries qu'au moment où elle tournera la tête, il fera un truc comme... Et qu'est-ce qu'il y a là-bas? Où ça? J'ai pitié d'elle. Elle est aveugle. C'est bon, on peut y aller? C'est bon. Parfait, merci. Je sais que vous êtes tous impatients de savoir pourquoi je vous ai réunis ici ce soir. Oui, voilà la réponse. Roulement de tambour, s'il vous plaît. Je m'en occupe. L'instant tant attendu. Tu peux tenir ça, s'il te plaît? Ouais. Non, c'est bon, c'est je m'en occupe. Je m'en occupe, merci. Et voilà le fameux objet. Oh mince alors, mais qu'est-ce que tu vois? Tu ne sais même pas ce que c'est. Je suis pas folle, je sais me servir de mes yeux, c'est une planche Ouija. Tu n'as jamais été, ne serait-ce qu'un peu curieuse? Non. Même pas un petit peu? Non. D'accord, eh bien moi, oui. Donc je suis super excitée. Tu sais pourquoi je suis pas curieuse? Et pourquoi ça, Lanette? Parce que ma grand-mère m'a appris à me méfier de ces choses-là. Je devrais même pas être ici. Ouais, mais ta grand-mère n'est pas morte, par hasard? Si, et peut-être à cause d'une planche Ouija. C'est impossible. Ça te dirait de lui dire bonjour? Non. Oh, dommage. Moi, ça me plaît. Merci, Shay. Shay est partante. Ils viennent de se taper dans les mains, là. Bien. Tout d'abord, je veux m'assurer que tout le monde est partant, d'accord? T'es avec nous? Oui, c'est détends-toi. Bon. Shay? Merci. Calvin? Encore sur son téléphone, comme tout le temps. Ça change pas. Calvin, t'es avec nous? D'accord. Je range ça. Parfait. Maintenant, c'est avec ça qu'on va passer la soirée. C'est notre planche Ouija. On lui pose des questions, elle nous fournit des réponses basées sur ses écritures. Oui, non, des lettres si elle veut épeler quelque chose, des nombres si elle veut transmettre des numéros. Et bien sûr, au revoir. Tout le monde suit? La seconde partie, c'est la loupe. Ça. Très bien. C'est ce qui va nous donner la réponse une fois qu'on aura posé la question. On lui pose des questions et on la déplace en direction de là où on pense qu'est la réponse, hein? En quelque sorte, mais c'est pas nous qui déplaçons la loupe. C'est tout l'objectif. Si on fait ça bien et qu'on la touche ensemble, c'est censé bouger tout seul. Ce sont les esprits qui la font bouger à travers nous, est-ce que vous comprenez? Il y a des règles qu'il faut connaître. On aurait dû commencer par là, on t'écoute. D'accord, vous êtes prêts? Règle numéro 1, il y en a 3. Règle numéro 1, ne jamais demander à un esprit comment il est mort. Ok? D'accord. Pourquoi ça? Eh bien, parce que, imaginons qu'il soit mort d'une mort tragique. Tu lui demandes comment ça s'est passé. Tu le forces à revivre sa mort encore et encore à nouveau. Ok, d'accord. Et puis ça peut interrompre la connexion. Et ensuite, il ne voudra plus nous parler, on aura tout gâché. Ok? Très bien, j'ai compris. Règle numéro 2. Vous ne devez jamais demander à un esprit comment vous allez mourir. Pourquoi? Eh bien, à cause de la règle numéro 1, tu ne veux pas savoir. Et raison numéro 2, il paraît que... Si tu demandes comment tu vas mourir, ton esprit va créer inconsciemment la situation. Comme ils t'ont dit que ça allait arriver, eh bien ça va arriver, donc... Je vous laisse. Où est-ce que tu vas? Tu avais dit que tu restais. Écoute, détends-toi, je vais juste aux toilettes. Je reviens tout de suite. D'accord, dernière règle. Et les gars, c'est la plus importante. Donc s'il vous plaît, les autres, ça va, mais celle-là, respectez-la pour moi. Ok, c'est bon. Vous ne devez jamais, jamais quitter la planche sans avoir dit au revoir, d'accord? Jamais. Il paraît que si on quitte sans dire au revoir, ça laisse les portes ouvertes. Vous voyez? Et par là, je veux dire que ça laisse leur monde ouvert sur le nôtre. Et je sais pas de quoi ils sont capables. D'accord? Bon. J'aimerais qu'on se souvienne que vous avez tous sursauté. Très bien, donc, pousse-toi. Parfait, donc, Excuse-moi, tout le monde pose ses doigts sur... Je voudrais faire un gros plan sur la planche. Tu vois, là, c'est le moment où tu es censé arrêter la caméra. Tu te souviens de ce qu'on avait dit? C'est le moment d'arrêter, là. Est-ce que je peux filmer encore quelques secondes? Non, c'est le moment, là. Tu te souviens de ce qu'on a dit, d'accord? Je te laisse filmer le début.
Allez. Esprit, es-tu là? Aïda? Qu'est-ce que tu fais? Pardon? C'était quoi, ça? J'ai juste dit, esprit, es-tu là, dans une autre langue? Je me suis dit que peut-être il ne comprenait pas le français. Peut-être qu'une autre langue serait mieux. Ah, oh, génial. Hey, tiens-toi. Concentre-toi. Écoute, mec, ça fait un moment qu'on pose les mêmes questions. Hey, yo, 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 y a quelqu'un là-dedans? Respecte la planche. Je respecte la planche, j'essaie juste d'être moi-même. T'es sûr qu'on fait ça bien? Est-ce qu'on pose les bonnes questions au moins? Essayons avec une main, peut-être que les deux c'est trop. Moi je dis que ça marche pas. D'accord, Peut-être ça va. Me dis pas que ça tourne encore! Je t'avais dit! Non, pas de problème. Oui. Waouh. Qui l'a fait bouger? Je sais que c'est l'un de vous. Non, Calvel. C'est toi qui l'a bougé. Et pourquoi est-ce que je l'aurais déplacé? Parce que je vois des traces blanches sur tes doigts. C'est toi qui forces avec tes doigts. C'est toi qui l'a fait bouger non. sur la table. Posons simplement une autre question. Comment vous appelez-vous? Oh mon Dieu. C'est un truc de fou. Gracie? Gracie, c'est ça? Quel âge avez-vous? C'est une petite fille. Où es-tu? J-S-T-C? J-S-T-C? Justice? J-S-T-C? Justice? Quoi? Sérieux, mec? Tu prends tout ça à la légère. Ouais, mais je vous dis que ça marche pas. On dirait une bande de gamins qui jouent. Tu es toute seule? Qui est avec toi? L-I-S-A. Elle nous a donné un nom. Lisa? Lisa? Quel âge avez-vous, Lisa? Où est Gracie? En sécurité. En sécurité. Mais pourquoi en sécurité? Qu'est-ce que ça veut dire? Non, c'est pas notre question. Qui lui veut du mal? Qui est Joseph? Méchant? Un méchant. Attention, là, ça craint. Est-ce qu'on a le droit de demander à un esprit comment un autre esprit est mort? C'est pas explicitement interdit. C'est pas pour ça que c'est autorisé. Ouais, mais tu peux demander. Comment est morte Gracie? N O Y. Noyée? Elle s'est noyée? C'est triste. Qu'est-ce que ça noyé? Veut dire? Est-ce que c'est Joseph qui l'a noyé? Oh mon Dieu. De quoi il est mort, Joseph? Ouais. Tiré? Oh! C'est mon téléphone. Bien sûr, ton téléphone. Je reviens, mec. Et c'est qui? Remets ta main sur la loupe. Remets ta main, allez. Attends, je peux avoir un peu d'intimité, s'il te plaît? Tire-toi. Tire-toi d'ici, mec. Éteins cette... Vous savez quoi? On peut quand même continuer. J'ai vraiment pas envie de les perdre. Il se passe vraiment un truc ici. Je n'ai pas envie de gâcher ça. C'est une bonne idée. Il faut qu'on pose une autre question. Vas-y, laisse-moi poser une question. Vas-y, pose-la. C'est qui au téléphone? C'est pas vrai. Ça va mal se finir. Une fille. Ok. Comment elle s'appelle? Et ça continue. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais, ce genre de truc dit pas toujours la vérité. C'est pas une science exacte. BLR. Et voilà, je suis de retour. Qu'est-ce que j'ai loupé? Racontez-moi tout. Merci. Ouais, chérie, viens là, madame. Et donc, c'était qui au téléphone? Je parlais à ma mère. Oh, ta maman. Elle s'appelle comment? Maman? Ouais.
Mais elle s'appelle Teresa. Vraiment? Hein? C'est marrant parce que la planche m'a donné les lettres B-L-R. B-L-R? Oui, j'ai demandé qui était au téléphone et la planche m'a répondu que c'était une fille qui appelait. Avec les initiales B-L-R. Et pourquoi est-ce que tu demandes à une planche à qui je parle? Je ne vois pas ce qu'il y a de mal. Je veux dire, à chaque fois que c'est moi qui te pose la question, tu t'énerves. Tu me dis, t'inquiète, c'est rien, et tu m'envoies balader. Et j'ai pas mon mot alors, à dire. Pour être clair, je ne m'énerve pas. À chaque fois que tu me demandes, je te réponds que c'est pour le boulot. Surtout que je ne m'en vais pas. À chaque fois que je reçois un texto, je réponds toujours aux appels devant toi. Ah, et comment ça se fait que ta mère s'appelle Teresa alors que la planche dit qu'elle s'appelle BLR? Peut-être que vous devriez parler de ça plus tard, en tête à tête. Oh, ouais, oui, on va faire oui, tu ça. As raison. Ouais. C'est vrai, je vous demande pardon. Je suis désolée. Je suis désolée. C'est bon. Oui, on pourrait simplement continuer le jeu. Non, mais on pourrait... partir maintenant. Où est-ce que tu vas, Shay? Ça a été un plaisir de te rencontrer, Shay. Oui, moi de même. Calvin, sérieux, Calvin, mec. J'ai intérêt à t'expliquer. Surtout sur la signification de BLR. On en parlera dans la voiture. BLR. J'arrive. T'as vraiment intérêt. Mec, t'as pas assuré, là. Bonsoir, excusez-moi. Il y a quelqu'un. Bonsoir. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Vous savez quoi? Pourquoi vous ne vous montrez pas? Hein? Hein? Merci, Michael. T'es vraiment sérieusement, un pote. Sérieusement, mec, c'est pas de ma faute. C'est ça, super. Allez, salut, petit frère. Allez, tu te rends compte qu'il ne va pas me reparler avant un petit moment, là. Waouh. C'est toi qui as fait et ça? Et pourquoi est-ce que je ferais je ça? Je ne sais pas. Je savais même pas que ce truc pouvait bouger si on était juste deux. Eh bien, apparemment, si. Reste concentré. C'est HBR. Je n'ai même pas posé de questions. Moi non plus. Et toi? Et toi? Pourquoi j'aurais fait ça? Vous vous fichez de mon travail? Bon sang. Calvin, juste avant de partir. Pourquoi vous vous montrez pas? C'est HBR. C'est qui, c'est HBR? C'est HBR, c'est l'abréviation de chambre. Hors de question. D'accord, d'accord. On y va tous les deux, d'accord? Très bien. Et me laisser toute seule ici? Oh non, c'est le moment du film où la noire se fait tuer. Parce que les deux blancs l'ont laissé seule, alors je viens avec vous. D'accord. On y va tous. Mais on revient immédiatement pour dire au revoir à la planche, d'accord? Moi, ça va. Je préfère respecter les règles. Parfait. Dans ce cas, allons-y. D'accord. Ça va aller, ça va reste aller. Reste avec moi. Reste là. Je suis juste là. D'accord. C'est juste que j'ai je peur. Sais. On voit rien. On pourrait allumer la lumière. Oui, je m'en occupe. Il faut que tu me lâches le bras. Bon sang, tu m'as fait peur. Désolée. C'est toujours sombre. Oui. T'as une autre lampe? Je vais l'allumer. Je m'en charge. Oh, merci, mon Dieu, y a rien ici. D'accord, on a juste flippé pour rien, mais tout va bien. Brandon? Yes. Brandon, t'es allé dans ma chambre? Non, je suis pas venu ici. C'est quoi le problème? Eh bien, c'est pas moi qui ai retourné ma photo. Eh bien, peut-être que tu l'as fait tomber quand je on ne l'ai était pas fait noir. Tomber. T'es sûr que t'es pas venu ici? Non, pourquoi tu veux que je fasse ça? Vraiment, Brandon, si c'est toi qui as fait ça, c'est pas cool. Non. C'est vraiment... Sans rire, sérieusement. Mes photos. Attends, pourquoi est-ce qu'elles sont à l'envers? Ok, et tu je... n'es pas venu dans cette chambre? Non, je vous l'ai déjà dit. Brandon, sérieusement, ça faut se fait pas de venir chez les gens et de faire ce genre de choses. J'en ai marre, hey, je Lanette, aussi. Attends un peu. Il faut que... Recule, recule. Fais gaffe, fais gaffe. Il faut qu'on dise au revoir à la planche. D'accord, on va dire au revoir à la planche. Mais je te préviens, après ça, moi, je pars. Si tu veux. Vous êtes toujours là? Mince. Eh bien, comment dire, il est tard. Il faut vraiment qu'on y aille, donc on aimerait vous dire au revoir. Hé, on vous promet de revenir jouer avec vous demain. Mais pour ça, il faut dire au revoir. On l'a eu. D'accord, alors, bon, alors au revoir. Au revoir. Au revoir. On est obligé de rejouer demain, maintenant. Je m'en fous de jouer avec ou pas demain, j'en ai assez pour ce soir. Je veux juste rentrer chez moi. C'est devenu sacrément bizarre. D'accord, d'accord. À demain, alors. Oui, compte sur moi. Je serai là demain. Bonne nuit, Michael. Salut. Bonne nuit, Brandon. Bon sang. Oh, mon Dieu. Évidemment, tu es toujours là, toi. C'est bon. La nuit a été très longue. C'est ça, c'est... Comme on dit, c'est tout pour aujourd'hui, c'est ça. Est-ce que je peux te dire une dernière chose? Vas-y. Mec, tu t'es fait avoir. Merci. Voilà, voilà, je mets ça en place. L'angle est bon. Ça a l'air pas mal, parfait. Je vais filmer ce qui va se passer ici, puis je vais mettre ça sur Xtube pour que tous mes fans puissiez voir comment Calvin assure, d'accord? Restez encore un peu, ça va devenir sympa. Vous voyez bien? C'est bon, vous voyez tout? Tranquille.
Qui est dégagé? Hey, hey, à l'homme d'entrée en scène. Salut, bébé. Hey, baby, comment ça va? T'es prêt pour sortir? Tu es belle. Merci. Est-ce que tu veux qu'on aille dîner? On va voir, bébé. C'était le plan, mais j'ai plutôt envie de te goûter avant de partir. Oh. Vilain garçon. Eh bien, je te propose juste. Tu commences à me connaître. Pour toi? Pour moi. Tout ce que tu veux. Tout ce que je veux. J'aime quand tu me dis ça, bébé. Qu'est-ce que c'est? Quoi donc? Ça, là. Le truc qu'on voit là-bas. Il n'y a que mes vêtements, là-bas. De quoi tu parles? Non, je te parle pas de tes affaires. Je sais ce que c'est que ce machin là-bas. C'est une caméra. Ah, ce vieux truc, c'est juste un jouet qui ressemble à une caméra. J'ai ressorti mes vieux jouets cet après-midi. Mais non, c'est faux. Je te promets. Elle tourne en plus. Et pourquoi elle marche d'abord? J'ai appris ça avec Brandon, le voyant rouge sur le côté. Oh, ce point rouge. C'est parce que j'ai joué tout à l'heure ces jeux du vernis à ongles. C'est rien, bébé. Non, ce n'est pas rien. Bébé. Écoute, bébé, je ne veux pas que ça se retrouve sur YouTube. J'ai envie d'y aller et de prendre une bonne douche chaude avec toi, mais j'ai pas très envie de faire ça. Bébé, je te le promets, ça ne se retrouvera pas sur YouTube, pas plus que sur Xtube. Le seul endroit où ça va se retrouver, c'est sur MyTube. Oh. Ok. Attrape ça. Touchdown. Donnez-moi un C. Donnez-moi un A, un L, puis un V, I, N. Calvin. Attends ça. Oh oui, bébé, je suis prêt. Parfait, bébé. C'est tu te décides à venir, oui ou non? Oh oui, eh bien, tu sais bien que je vais venir tôt ou tard. Allez. J'arrive, bébé. Je t'attends, je suis prête. Très bien, j'arrive. Oh, 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 bébé. Quoi? Je ne peux pas me doucher si je n'ai pas mon bonnet de douche. Tu pourrais me ramener mon bonnet de douche qui est sur le lit, bébé? T'es sérieux, là? S'il te plaît, bébé, je l'ai oublié. Et il est où? Sur le lit, là, là, sur le lit. Où ça, sur le lit? Sur le lit, ça doit être sous les vêtements, bébé. Dépêche-toi, je peux plus t'attendre, j'ai froid. Ah, c'est le machin transparent, froissé et en plastique? Oui, 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 oui. Ah, t'es sûr? Oui, le préservatif. C'est pas ça, c'est trop gros. C'est bien ce que je dis, c'est mon préservatif. Ah. Ça va, je rigole. Allez, reviens, dépêche-toi. J'ai de l'amour à revendre. Allez, je t'attends, Calvin est dans la place. Wouh, bébé, dépêche-toi. Allez, dépêche-toi. Ouais. Allez, viens, je me sens seul. Brandon, qu'est-ce qu'on fait ici? On met la vidéo en ligne. Et pourquoi est-ce que t'as autant d'ordinateurs? Je me suis demandé la même chose quand je suis arrivé ici. Il y en a un paquet. Vous savez ce qu'on dit? Ne pose pas la question si tu ne veux pas savoir la réponse. Compris. Je vais te suivre sur ce coup-là. Voilà, merci. Cool. Vous vous souvenez quand on a joué avec la planche Ouija la dernière fois? Ouais. Parfait. Il y a cette fille que j'ai rencontrée sur YouTube. YouTube! Je suis allée sur ce site YouTube, la dernière fois. Vu... It's so cold in the deep. C'est trop drôle. Et t'as vu la fille qui danse derrière? Elle danse. Wow. Et puis ses yeux qui font... Et aussi... Bon, on se calme. Il y a seulement trois comptes que tu dois suivre sur YouTube. Okay. Numéro 1, les Lonely Allen Boys. Numéro 2, Cigar Obsession. Ah, je ne le connais pas, celui-là. En même temps, c'est normal, t'es pas si viril pour ça. Bon sang. Voilà, c'est ça. Et le numéro 3, Casey. Casey et Jojo. Oh yeah, baby, yeah. Ça, c'est du bon okay, son, ok, mec. Ça suffit. Je suis plus un fan des Boyz II Men, mais c'est pas important. Revenons à Casey. Le groupe existe encore? Oui, ils existent toujours. Ils continuent à tourner. T'as déjà regardé ton show? Ouais. Les gars, est-ce qu'on peut se concentrer là? Elle va se connecter d'une minute à l'autre et je veux avoir la cool parce qu'elle n'est pas au courant. Mais je craque pour elle. Mais je ne suis pas un harceleur. Non, je ne suis pas un harceleur. Elle n'existe même pas. Elle est bien réelle, tu vas voir. Attends un peu. Attends. Hey, Casey. Salut. Moi, c'est Michael. Moi, c'est Lanette. Génial. On est là pour parler de la planche Ouija, c'est ça? Ouais, on est là pour parler de la planche Ouija. Enfin bref, tous les trois et deux autres personnes ont joué avec la planche la dernière fois. Alors déjà, je vous arrête. Pour commencer, on ne joue pas à la planche Ouija. Tu joues aux cartes ou à la console. Je vous l'avais dit. La planche Ouija est un moyen pour communiquer avec les morts. Mais pourquoi chercher à communiquer avec les morts? Et pourquoi est-ce qu'on cherche à communiquer avec qui que ce soit? Parce qu'en général, ils ont quelque chose à dire. La planche Ouija est simplement une des rares choses qui reste inexpliquée dans notre monde. Un peu comme le triangle des Bermudes. Des bateaux, des avions disparaissent mystérieusement sans laisser aucune trace. Ouais, j'ai entendu parler même de ça. Même près d'ici, dans l'ouest du Texas, il y a un cas.
La famille d'un fermier a rapporté l'avoir vu disparaître comme par magie. Quoi ? Sérieux ? Oui. C'est vraiment arrivé ? Ça fait simplement partie de ces choses qu'on peut pas vraiment expliquer. D'accord. Pourquoi les esprits restent ici, alors ? Parce qu'ils ont un message et qu'ils veulent le transmettre. Tous les esprits ne sont pas forcément mauvais. Je préfère penser que les esprits sont gentils, vous voyez ? Des protecteurs ou même des anges gardiens. Est-ce qu'ils sont dangereux ? Pour moi, le danger provient plutôt de l'observateur ou de celui qui utilise la planche. Ce que je veux dire, c'est que si vous restez là à essayer d'invoquer, genre, un esprit satanique, il y a de grandes chances que l'un d'entre eux réponde. Je pense que le meilleur exemple, c'est... Il y avait une fille qui s'appelait Doris en Californie, et c'est l'un des documentaires les plus obscènes traitant des phénomènes paranormaux connus. Elle était chez elle, elle était à la maison et elle s'est faite sexuellement agressée et frappée par des fantômes. Elle a ensuite reçu un paquet de trackers de fantômes qui ont demandé à l'interviewer, ils ont pris des photos et tout ça. Attends, attends, c'est pas de là qu'est tiré le film L'Emprise, par hasard ? Si, mais tout se passera bien tant que vous respecterez les règles. Mais surtout, souvenez-vous de toujours dire au revoir. On l'a fait. J'ai expliqué les règles à tout le monde et on a fait attention d'y dire au revoir à la fin. C'est vrai. Bon, sinon, j'avais une autre question. Donc, on a dit au revoir. On a tout bien fait. Une fois qu'on a fait ça, il y a encore un risque ? Non. Tant que vous... La planche en elle-même n'est pas seulement un moyen de communiquer, c'est aussi un portail. Une porte vers une toute autre dimension. Et si vous ne dites pas au revoir, c'est comme si vous laissiez votre porte grande ouverte. N'importe qui pourrait rentrer. Tu veux dire se faire violer comme ce mec sur YouTube, Antoine ? Cache tes gosses, cache ta femme, tout le monde va se faire violer. Ok, du calme, s'il vous plaît, du calme. Je voulais prévoir quelque chose pour demain soir. Elle est déjà partie. Mais t'es qu'un idiot. Vas-y, mets la vidéo sur YouTube, là. Cherche Antoine. Ouais, Antoine, ouais. T'inquiète, je m'en occupe. Cache tes gosses, cache ta femme. Tu es prête ? Ouais, allons-y. Sérieux, j'espère que ce sera pas glauque cette fois. J'espère pas, c'était flippant. C'est parti. D'accord. Esprit, es-tu là ? Peut-être qu'on l'a perdu. Eh bien, on n'a plus qu'à continuer d'essayer. D'accord. Bonjour. Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Là, c'est glauque. À chaque fois. Salut, Gracie, c'est toi ? À qui est-ce qu'on parle ? L-I-S-A. D'accord. Lisa ? Bonjour, Lisa. Bonjour, Lisa. Est-ce qu'on pourrait parler à Gracie ? Pourquoi ça ? Ok. Lisa, c'est pas qu'on n'a pas envie de vous parler. On se demandait juste... si vous étiez d'accord, si on pouvait parler à Gracie comme on lui a promis. Vous savez qu'on lui parlerait aujourd'hui. Est-ce qu'on peut discuter avec Gracie et ensuite parler avec vous ? Ça a marché ? Ouais, j'ai l'impression. Super. Ouais, elle est d'accord. Je crois que je m'y habituerai jamais. Moi non plus. Salut, Gracie, c'est toi ? Non ? Lisa ? Donc, qui ça peut être ? On se déplace. Joseph ? C'est sûrement lui. Bon sang ! On a vraiment sursauté. Brandon, va ouvrir la porte. Vas-y ! Il y a quelqu'un ? Ohé ! Hey ! Salut ! Salut ! Oh, salut, Shay ! Pourquoi tu te décales ? Pour faire de la place. Remets-toi là ! C'est bon, c'est fait maintenant. Excellent ! Et vous parlez à qui, là ? Je pense que c'est Joseph. Oh, bien ! Je peux vous rejoindre ? J'ai une question pour lui. D'accord. Ok. Donc, la nuit dernière, vous disiez que Calvin parlait à cette fille, Blair. C'est qui ? Copine.
Une copine. Une copine. C'est une copine de Calvin. La nuit dernière, ça disait fille. Et là, quand je demande, ça me répond copine. Petite copine, alors que ça devrait être moi. Est-ce que Calvin a rencontré cette fille le même soir où il m'a rencontré? Alors, est-ce qu'elle portait une robe rouge? Est-ce que Michael était au courant pour cette fille? Oui. Oui. Est-ce que Michael savait que Calvin parlait à cette fille en même temps qu'il me parlait? Oui, je le savais, je le savais. Waouh, tu le savais? Sérieusement, Michael? Oui, oui, je le savais. Mais tu savais pour tout ça et tu ne me l'as même pas dit. Et pourquoi j'aurais dû te le dire? Calvin est mon meilleur ami. Et qui je suis pour toi? Je croyais qu'on était amis. Ce ne sont pas mes histoires. Était amis. Et puis je connais Calvin depuis bien plus longtemps. J'ai fait semblant de ne rien savoir. Il était en train de lui envoyer des textos et tu restais là, assis, à demander qui c'était. Shay, je ne savais pas. Tu as fait semblant de ne rien savoir. Mais comment t'as pu faire ça? Je ne suis pas en train de lui crier dessus. Jeannette, pourquoi est-ce que tu t'inclus dans la conversation? Mon Dieu, mais j'essaye pas de m'inclure. J'étais pas au courant. Je n'étais pas content. Je ne voulais pas m'impliquer dans leurs histoires. Shay, calme-toi. Reviens. Donc, le mot de la fin avec Brandon pour vous servir. Ça s'est plutôt bien passé, je pense. Pas mal de choses sont arrivées. J'espère que vous avez apprécié. Ceux qui aiment l'infidélité peuvent cliquer sur le lien en dessous, puisque c'est la mode ce soir. Et demain, on espère rentrer en contact avec le fantôme qui cherche sa pension alimentaire. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Pose ce machin et non, viens. Non, je peux pas. Allez, bouge-toi, c'est la folie dehors. C'est n'importe quoi. Quelqu'un est en train de mourir? C'est pas le sujet. Dépêche-toi avant que quelqu'un meure. D'accord, j'arrive. Donne-moi une seconde, je pose la caméra. Ah. Quelle soirée. À chaque fois, c'est pareil. C'est toujours de ma faute. Par exemple, si Calvin ne sait pas garder sa queue dans son pantalon, c'est de ma faute. Bien sûr, pourquoi pas. La planche. Bonjour. Je vais vous dire au revoir. Donc, je descends ça ici. Au revoir. Je l'ai dit. Vous l'avez dit? Tout le monde est content. D'accord. Je crois que ça devrait aller. Brandon, ça va? Ouais, mec. Et merci encore pour l'avoir amené. Ouais, je sais, mec. C'est pas mon problème. La caméra? Ah, elle est là. Ouais, tu l'as oublié. Ouais, je l'ai devant mes yeux. Ouais. Je te la garde. Je te la rends demain. Très bien. Merci. Une caméra. Ok. Voyons voir. Ouais, c'est mieux. Salut les gars, bienvenue dans le Brandon Show. Je n'assume pas mon homosexualité. C'est pour ça que j'en veux au monde entier et que je déteste les gens. Ah ah. Enfin bref. Brandon, c'est toi? T'essayes de me faire peur, là. Allez, montre-toi. Ok, c'est une blague. Il veut me faire peur. Bon sang.
Oh mon Dieu! Bonjour, soyez le bienvenu. Je vous en prie, faites comme chez vous. Ne faites pas attention aux trous creusés dans le cimetière. Je vous dirai si c'est votre tombe. Tu sais quoi, Brandon? Je te déteste. Très bien, Madame Caméra. Tu es ici parce que je viens de recevoir un appel de Michael. Complètement paniqué car il entend des bruits bizarres, parce qu'on a oublié de dire au revoir. Comment est-ce qu'on a pu oublier de dire au revoir? C'était la première règle, et maintenant je me retrouve coincée avec Shay, qui est agaçante au possible à cause de mon frère. Écoute, je te demande pardon, Michael. Ouais. D'accord, on se voit demain. Salut. Je suis désolée. J'étais vraiment blessée. Comment dire, perdue, je ne savais vraiment pas quoi faire. Je comprends, t'en fais pas. Arrête de t'excuser sans cesse. Tout ce que je dis, c'est que si on entend des bruits bizarres, je compte sur toi pour leur faire du Jackie Chan. Mais je ne suis pas chinoise. Oh chérie, t'inquiète pas. Vous les Asiatiques, vous connaissez tous le karaté. Le karaté? Je vais déjà me rattraper. Demain, on dit au revoir. Oh, ça je te le garantis qu'on va dire au revoir. C'est à quelqu'un qu'on va dire au revoir. Très bien. Monsieur, j'enregistre tout. Je vais t'apprendre à te servir d'une caméra chez moi, abruti. C'est moi le vrai bonhomme ici. C'est ma poupée, la nette. Ouh, non, chut. Lanette, si jamais tu regardes ça, j'aimerais juste te dire qu'il est possible que je ressente un petit, petit béguin, minuscule. Ah ! Merde. C'était quoi ? J'ai entendu quelque chose. Lanette ? C'est toi ? Où t'es parti? Lanette? Est-ce que c'est toi? Lanette! J'étais dehors sur la terrasse, tu perds la tête, toi. Oh mon Dieu, j'étais au téléphone. Je parlais à Michael. J'ai vu quelque chose, là-bas. T'as vu quelque chose? T'as vu quelque chose, où ça? Oui, juste ici. Y a rien ici. Sérieusement, il faut... C'est sûrement notre discussion sur la planche, Ouija. Sans déconner, j'ai failli avoir une crise cardiaque. D'accord. D'accord, tu as probablement raison. Va te coucher. Bonne nuit. Bonne nuit. Me revoilà, YouTube, c'est Brandon. J'ai récupéré ma caméra. Et on retourne dans la tanière du diable ce soir. Qui sait ce qui va se passer avec la planche Ouija? Peut-être d'autres révélations ou une disparition, je ne sais pas. Restez connectés. On y va. C'est fou. Comment va Shay?
Ça va bien. Mieux que toi, on dirait. Qu'est-ce qui se passe avec ta voix? C'est le fait d'avoir crié hier. J'ai plus beaucoup de voix. Comment ça va, le geek? Salut, mec. Qu'est-ce que tu fais? Hey, j'ai récupéré ma caméra, je suis prêt à filmer. Je vois ça. Tu sais ce que j'ai envie de faire? J'ai littéralement envie de te scotcher la caméra sur la figure. Mais comment est-ce qu'on ferait la planche de sorcier? Planche de sorcier? Je connais pas. Mais si, Johnny Catalan, dans sa chanson. C'est ici que je reviens. Écoute, vers vous. Si tu promets juste de la fermer, on te laisse filmer, pas d'accord, hein? Ça, c'était une bonne idée. Allez, cette fois, on fait ça bien. C'est pour ça que tu es là. Pour vous servir. Vas-y, commence. D'accord. Esprit, es-tu là? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Enfin... Ouais. Qui est là? C'est Gracie. Ah, oh, c'est Gracie. Salut, ma grande. C'est un fantôme, la nette. Je pense qu'on s'entend bien. Si tu le dis. Donc, Gracie, la nuit dernière, on parlait à Joseph. Et on ne lui a pas dit au revoir. Et donc, je me demandais si c'était possible de lui dire au revoir aujourd'hui. Est-ce qu'il est dans le coin? Je veux jouer. Elle veut qu'on joue. Oh, oh chérie, comme t'es mignonne. C'est toujours un fantôme. Et on est toujours potes. Mais comme Michael l'a dit, chérie, on n'a pas eu le temps de dire au revoir à Joseph la nuit dernière. Et c'est vraiment important. Donc, si c'est possible, on aimerait lui parler en vitesse. PL. Pas PL. PL. Pas. Non. PL. Pas elle. Pas loin. Pas là. J'espère qu'on l'a pas laissé sortir. À chaque fois. Toujours la même chose. Brandon, va ouvrir la porte. Encore ? Bouge-toi. Allez, fais ton travail. Ok, ça va. Sérieux. La porte est ouverte. Merci, merci Brandon. Ouais. Et tiens, c'est Calvin. Comment salut, ça va, petit mec? Frère. Salut, petit ça frère. Ça va, mec? Vire cette caméra de là. T'es sérieux? Oh, pas content. Retire cette caméra de ma tête. Oh, oh. Tout va bien. T'as l'air énervé. Michael. Ouais. Tu as quelque chose à me dire? Non. Ah bon? Shay est venue hier soir. Ouais, elle est passée. D'accord. Et vous avez parlé de quoi? On n'a pas vraiment parlé. Elle voulait juste utiliser la planche. Et qu'est-ce que tu lui as raconté? Je ne lui ai rien dit. Pourquoi? On dirait que tu ne vois même pas de quoi je veux parler. Mais je ne vois pas de quoi tu parles. D'accord, mais tu sais qu'on a rompu, hein? Non, je savais pas. Oui, eh bien, on a rompu cette nuit. Et? Tu veux savoir pourquoi? Ouais. Parce que quelqu'un n'a pas pu s'empêcher d'ouvrir sa bouche à propos de Blair. Wow, t'es une en train idée de dire qui c'est ça peut de ma faute, être? Là? Oui, c'est de ta faute. Non, c'est pas de ma faute. Je n'ai rien fait, moi. Et comment est-ce qu'elle a su pour Blair, hein? Comment est-ce qu'elle a su pour la nuit au club? Oh, écoute, j'ai rien dit à Shay. Assume, mec, c'est toi qui as essayé arrête, de lui parler lourd, en premier. Là. Oh, lève ta main de là, mec. Arrête, c'est toi qui as essayé de lui parler gars, en premier. Les gars, pourquoi tu remets ça sur le tapis? Alors maintenant, explique-toi. Ok, tu sais quoi, Calvin? Ça fait combien de temps qu'on se connaît? 10 ans? Hein? Et je t'ai volé combien de copines? Aucune. Zéro! Tu penses que je vais commencer maintenant? On est frères, Calvin, ça fait longtemps qu'on se connaît! Je ne vais pas te voler ta copine, je m'en fous de qui a essayé de lui parler en premier! Tu crois que ça m'intéresse, une fille de club? Comparé à 10 ans d'amitié, t'es sérieux? Je t'en prie, mec! Ça fait longtemps qu'on se connaît. J'ai toujours assuré tes arrières. Tu as toujours été derrière moi. Tout ça pour une fille? Tu vas te décider à parler? Comment elle a découvert tout ça? Elle a demandé à la planche. Oui, je sais. C'est une réponse débile. La planche. Mais c'est ce qu'elle a fait. C'est pour ça qu'elle est venue ici. Ok. D'accord, c'est bien. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Qu'est-ce que tu fais? Ce que j'aimerais comprendre, c'est comment un morceau de bois, avec quoi? Une jolie loupe en verre au milieu, aurait un genre de pouvoir magique et pourrait raconter à quelqu'un tout un tas de choses que j'aurais faites. Je sais pas, mec. Et moi, je ne comprends pas. C'était la planche. Qu'est-ce que la tu veux planche, que je te oui. dise? Ok, très bien. Ça me va. C'est la planche. Oui. D'accord. Excuse-moi. Excuse-moi. Où est-ce que tu vas? Écoute, hey mec. Écoute-moi. Laisse-le partir. Pas la peine de me suivre, mec. Tu sais quoi? Quand tu seras prêt à me dire la vérité, tu récupéreras ta planche. Parce que pour le moment, elle reste avec moi. Tu le prends comme ça?
Je le prends comme ça. Bon sang, c'était quoi ça? Tu vas bien? Ouais, ça va. C'est carrément parti en vrille. Tout part en vrille. Ça va aller. Il faut toujours que ce soit de ma faute. C'est juste un jeu. Il a juste pris une stupide planche. Il a pris la planche. Oh merde. On n'a pas dit au revoir. À qui on parlait la déjà? La petite fille fantôme effrayante. Oh, Gracie. J'aimerais profiter de ce moment pour remercier Casper, le gentil fantôme, d'être présent avec nous aujourd'hui. Qu'est-ce que tu fais encore là? Car apparemment, aucun d'entre vous n'a appris à suivre les consignes à l'école. Tu veux une consigne? Et si tu virais ton cul de ma maison? Parfait. Si tu veux, parfait, je m'en fous, j'ai ce qu'il me faut. J'ai même pas besoin de savoir. Ça fait longtemps que je voulais faire ça. Oh, oh! Très bien, Madame Caméra. En gros, mon abruti de frère a décidé de s'énerver d'un coup. Et puis il a emporté la planche. Ce qui veut dire qu'on n'a pas pu dire au revoir, à nouveau. Ça devient ridicule. Et tu sais quoi? Je n'ai pas besoin que des esprits bizarres viennent rôder autour de ma maison. Donc voilà ce que je vais faire. Tu vas rester allumé et tu vas me surveiller. Parce que je sais pertinemment qu'ils n'aiment pas qu'on les filme. Donc je vais te mettre là. On va se la jouer Paranormal Activities. J'ai vu le 1 et le 2. On va voir ce qu'on va voir. Parfait. Donc, tu vas rester là toute la nuit. Ta batterie est pleine. Bonne nuit. J'entends des voix. Attends. Ok. Hein? Quoi? Ok. D'accord. On reste tous les deux. C'est ma maison. Ah!
appeler Madame Caméra. Dis-moi que t'as tout enregistré. Dis-moi que t'as tout. Il faut que je le dise à Michael. Merde. La planche fonctionne. Tu vas pas croire ce que je viens d'apprendre sur Internet. Quoi? Gracie? Ouais. C'était la fille de Lisa. Sérieux? Ouais. Lisa était la maman de Gracie. Et Joseph était leur voisin d'à côté. Il était un peu attardé, genre Rain Man. Mais... Et là, ça devient intéressant. De quoi? Joseph a noyé Gracie. Non. Et la mère de Gracie, Lisa, elle a tué Joseph pour se venger. Tu l'as dit à quelqu'un d'autre? Non, pas encore. Je pensais le dire à Casey et voir ce qu'elle en dit. Ouais, pourquoi pas. Elle en sait sûrement plus que nous. De mon côté, c'est devenu plutôt bizarre, d'accord? Je vais appeler Shay et Calvin pour voir s'ils ont eu affaire à des trucs étranges aussi. Dès que t'as des nouvelles, tiens-moi au courant. Ok, sans faute, promis. Merci, Brendan. De rien, à plus tard. Nickel, parfait, c'est parti. Alors, écoute-moi, Michael, je filme ça parce que tu affirmes que cette planche Ouija raconte toutes ces choses et moi, je n'y crois pas, donc on va vérifier tout ça tout de suite. D'accord? Ouais, je crois bien que ça marche pas. Esprit, es-tu là? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Non. Esprit, es-tu là? Je reviens. Tout de suite. Il n'y a rien. Très, très bien. Très, très bien. Très, très bien, Michael. Depuis quand est-ce que tu es expert en planche Ouija? Regarde, je viens de l'essayer. Je n'y crois pas. Ça ne marche pas. Donc, ça me prouve que c'est toi qui as parlé de Blair à Shay. Attends. Hey, qui est là? Shay, c'est toi? Tu es revenu voir qui est le papa? Hey! Hey! Qui est là? Écoutez, je ne fais pas de karaté, mais je sais me battre. Hey! Ah! Michael. Tu vois, mec, je sais que c'est toi qui as parlé de Blair, Shay. Parce que tu es le seul à avoir pu la mettre au courant. J'ai essayé ta planche Ouija. Et j'y crois pas. Donc tu sais ce que ça veut dire? Que la planche Ouija ne peut pas raconter. Je viens de l'allumer maintenant. Ok, je t'écoute. Ralentis. Qui est chez toi? J'ai entendu des bruits, mais rien de ce genre. Sérieux, la net, c'est quand même dur à croire, là. Oui, mais avec la séance de Ouija, la dispute, t'es sûr que t'hallucines pas un peu, là? D'accord. Ce n'était pas une hallucination. Oh, Shay aussi? J'ai parlé à Brendan aujourd'hui et ce serait trop long à t'expliquer. Pour résumer en quelques mots, il semblerait que tout ça soit lié. Et je pense que ça pourrait être la planche, je veux dire. J'ai fouiné un peu partout, j'ai fait des recherches et j'ai trouvé des trucs plutôt glauques. Ouais, d'accord. Si tu vois Gracie, la petite fille que tu penses avoir vue. La petite fille que tu as vue chez toi. Ouais. Il s'avère qu'elle est morte. Le jour de mon anniversaire, le 29 avril. Ton anniversaire, notre anniversaire. Ouais, je ne sais pas. Je ne sais même pas si ça veut dire quelque chose. J'ai des doutes, mais bon. Ouais, je laisse la caméra tourner. Oui, en continu. Oui, elle est allumée, là. Très bien, tu fais pareil. Et Shay le fait aussi? D'accord. Très bien, peut-être. Si jamais tu vois quelque chose, tu me préviens. D'accord? D'accord, à plus, Lanette. Bon sang.
Il faut que tu étires aussi tes muscles. Ça fait longtemps que tu joues et tu risques d'avoir des courbatures. Tu sais comment nager? Nager en avant, c'est la première méthode. Je ne sais pas ce que c'était. Mais j'ai entendu quelque chose là-bas. Je vais voir si je peux découvrir ce que c'est. Tu arrives à voir les numéros? Oui, un petit peu. Vas-y, je t'écoute. 4, 8, 15, 123, 456. C'est plutôt pas mal. Tu es une petite fille intelligente. C'est quoi ce bordel? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est vraiment trop bizarre. Oh. Très bien, j'espère que vous voyez ça aussi. Je sais pas ce qu'il se passe, mais... C'est ça que... C'est quoi, ça? Bonjour. Qu'est-ce que c'est que ça? Touche pas à ça ou je te taperai sur les doigts avec une règle en bois, jeune homme. Sérieusement? Ouais. T'es tellement bizarre. Non mais tu te crois où? Hé, je peux regarder ça à l'écran, là? Oui. Oh. Oui, bien sûr, c'est fait pour ça. Sortez le pop-corn avec le beurre. Calme-toi et regarde bien. D'accord. Ok, on y va. Excuse-moi, mais c'est juste trop bizarre. T'en fais pas. Ok, donc j'ai juste... Ouais, voilà. Avance un peu. J'ai un peu peur. Voilà. J'ai... entendu quelque chose là-bas. C'était juste après les essayer de le découvrir. C'est okay, pas mal ce que t'as filmé là. Regarde simplement, d'accord? Tu peux passer là, c'est après. Tiens, juste ici. C'est là qu'il y avait les machins ouais, roses. Ouais, regarde. D'accord. Regarde. Mais c'est pas rose ça. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Non, il y a c'est un truc qui va pas. Non, c'était pas comme mec, ça. T'as une panière sur les toilettes? Mec, c'était pas faudrait du tout comme ça. Tout ménage. Était plus... Tout était rose. La serviette aussi. Qu'est-ce que ça veut dire? Quoi? Je sais ce que j'ai vu. Ok. Juste ici. Regarde la porte. D'accord, je regarde. Quelqu'un va rentrer oui, dans la salle regarde. De bain. Ici. Y a plus... Non, y en a encore, y en non, a encore. Non, c'est tout ce qu'il y a. Non, j'ai continué à filmer. Reviens en arrière. Ici? Ouais, regarde. Ok. Rien? D'accord, on va juste revenir un petit peu. Lanette, non, j'ai tu rien vois quelque vu. Chose? J'essaye, mais... Tu peux ralentir? Image par image. Ça, c'est étrange. Non, je sais ce que j'ai vu, d'accord? Pile à ce moment-là, quelque chose est entré. Il n'y a rien, mec. Et c'est la fin de la vidéo? Parce qu'il n'y avait rien d'autre après? C'est tout. Je suis allé dans le couloir et puis... Sur ce, je vais aller à la salle d'aisance. Il se passera sûrement plus de choses qu'ici. Alors bonne chance à vous. Tu me crois, hein? Bien sûr que je te crois. Bien sûr. Merci. Très bien. Je veux que vous voyez tout ça. Après ce qui s'est passé, je sais que vous pensez que je suis fou, mais je sais ce que j'ai vu, d'accord? Un esprit peut dire la vérité, dévoiler le futur ou bien le passé, pour gagner la confiance de l'utilisateur. Ne jamais utiliser la planche Ouija dans un cimetière ou dans une pièce où a eu lieu une mort violente. L'utiliser dans ces endroits peut causer des manifestations terribles. Là, c'est vraiment important.
Certains pensent que des esprits peuvent rester sur place et contacter les habitants pour atteindre un but ou transmettre un message. Ces manifestations proviennent généralement de conflits ou problèmes non résolus. Le comportement de ces esprits peut passer de doux et passif à des bruits, des voix ou éventuellement des apparitions, jusqu'à attaquer ou être agressif en déplaçant des objets, voire en entrant en contact physiquement avec les vivants. D'autres pensent aussi que... Je viens d'entendre quelque chose, un bruit là-bas. Gray, ici, c'est toi ? Je crois que tu me dois pas mal d'explications. Qu'est-ce que c'est ? Ça filme toujours ? Calvin, pourquoi est-ce que tu m'appelles ? Je croyais que c'était toi. Pardon ? Gracie et moi, on se préparait pour passer un week-end en famille. C'est toi, Blair ? Pourquoi tu joues à ce petit jeu ? Petite idiote, ne parle pas comme ça. Où est Calvin ? Passe-le-moi. Maintenant. Tu sais quoi ? Ça suffit. J'arrive. Qu'est-ce que c'est que ça ? Calvin ? Qu'est-ce qui se passe ? Oh. Arrête de faire l'enfant ! C'est pas drôle ! Il faut qu'on parle. Calvin ? Bébé, qu'est-ce qui se passe ? Tu vas bien ? Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a ? Tu vas bien ? Gracie. Gracie, c'est toi ? Je t'ai vu, Gracie. Prête ou pas ? Ya ! Oh ! Thank you.
Qu'est-ce que c'est ? Une petite fille meurt noyée. On dirait Gracie. Gracie Mendoza. Tu me rends malade. Et qu'est-ce qui se passe ? Écoute, on va chez Calvin, il faut qu'on brûle la planche. Calvin, pour commencer, attends un peu. Et tu vas pas conduire alors que moi je tiens la caméra. Maintenant, explique-moi. Le 29 avril. Oui, c'est le mon jour où est mort Gracie. Mais attends, 44 jours plus tard, le 12 juin, Joseph est mort. Mais non, on a tiré sur Joseph le même jour, tu te rappelles ? Non, non, Joseph était dans le coma après le coup de feu. Il est mort le 12 juin, le jour d'anniversaire de Shay. Shay ? La copine de Calvin, Shay ? Oui ! Oh mon Dieu, et elle qui n'arrêtait pas de dire qu'elle avait vu quelque chose, mais qu'elle ne savait pas. Oh, tu penses qu'elle a vu Joseph ? Honnêtement, j'en sais rien. Mais tu veux savoir ce qui les relie ensemble ? 1166 Cooper Street. 1166 ? Quoi, Cooper ? Quoi ? Mais de quoi est-ce que tu parles ? C'est l'adresse de Michael. Gracie Mendoza de Dallas, 6 ans. Décédée le 29 avril à l'est de Dallas. Qu'est-ce que ça veut dire ? 1976 ? La mère de la petite fille noyée retrouvée morte. Lisa Lisa ? La mère de Gracie Mendoza a été retrouvée morte dans la cuisine par un ami de la famille, autour de midi le vendredi. Il a été aussi retrouvé dans la maison le corps de sa fille Gracie Mendoza et son voisin d'à côté, Joseph Wheeler. Tu es sûr que c'est la bonne maison ? Bien sûr que je suis sûr, c'est mon frère, abruti. D'accord, donc qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse exactement ? Il faut qu'on trouve la planche d'accord, et qu'on la brûle. Trouver la planche, la brûler, compris. Petit frère ? On dirait qu'il n'y a personne. Calvin ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Petit frère ? Petit frère ! Calvin ! Shay ! Réveillez-vous ! Réveillez-vous, allez ! Ça vient du salon. C'était quoi, ça ? Je veux pas aller là-bas. Attrape la planche! Attrape la planche! Allez, allez. Allez, on sort d'ici. Allez, foutons le camp. On se casse! Allez! Allez, on se casse! Allez, vite, vite, vite! L'enquête sur le meurtre des Mendoza continue. Le voisin attardé est suspecté. Joseph ? L'enquête s'est orientée sur Joseph Wheeler après que l'ADN de Lisa Mendoza ait été retrouvé sur le couteau dans sa cuisine, alors que sa fille jouait dans son bain. Il faut qu'on t'enlève toute cette saleté. Et tu sais nager alors ? Oui. Oui ? Oui, oui. Tu nages en avant et en arrière ? Oui. Tu dois continuer tes leçons, hein ? Ils nous ont appris à faire comme la grenouille, pour ne pas couler. Ah oui ? C'est plutôt bien, ça. C'est malin. Tu es une fille intelligente. Allez, aide-moi un peu. Il faut que tu sois toute propre. Laisse-moi te nettoyer derrière les oreilles. Tu veux pas qu'on soit en retard, hein ? George a prévu de passer un mois entier à la ferme, tu sais ? Et il ne veut pas qu'on soit en retard. Toutes ces poules, ces chèvres et ces canetons. Est-ce que ça te plairait, pendant tout le week-end ? Oh non, je veux pas y aller. Comment ça, non ? Bien sûr que tu veux y aller. Faire des tours de poney, tu vas adorer. Mais il ne m'aime pas. Arrête de dire ça, bien sûr qu'il t'aime. Ça n'a pas de sens. Il m'aime, il nous aime. Et il veut que ce week-end soit parfait. Je ne veux pas que tu fasses de caprices, ni que tu fasses l'enfant et que tu gâches tout, tu m'entends ? George va être là d'une minute à l'autre, donc on va t'habiller toute jolie avec ta nouvelle robe, d'accord ? Est-ce que Joe peut venir avec nous ? Joseph Wheeler, le voisin ? Chérie, tu dois arrêter de jouer avec lui. Mais j'adore jouer avec lui. Chérie, il est débile. Il faut que tu restes loin de lui, tu entends ? Est-ce qu'il t'a touché ?
Allô ? Lisa, c'est Georges. Je savais que c'était toi. Gracie et moi, on se prépare pour notre première sortie en famille. Lisa, je t'ai dit que c'était impossible. Pourquoi tu remets ça sur le tapis ? Je suis d'astreinte tout le week-end, tu le sais. Je sais que tu es d'astreinte, mais tu pourrais te libérer un petit peu. On pourrait pique-niquer et je ferais un gâteau. Lisa, arrête. Tu vois, c'est pour ça. C'est pour ça que j'appelle. Lisa, la raison pour laquelle j'appelle, c'est parce que je pense que ça ne va pas marcher entre nous. Ne sois pas stupide. Ne dis pas des choses comme ça. Gracie sera dévastée. Et ce n'est pas ce que tu veux, non ? Tu vois, c'est une autre raison. Je pense que je ne suis pas prêt pour manger. J'ai besoin de temps pour moi. Et surtout, je sais pas, je crois que je suis pas prêt à devenir papa non plus. Georges, je t'en prie. Elle t'aime. Elle t'adore. On t'adore toutes les deux. On est... Elle est toute propre et prête à venir. On se verra à l'occasion. Au revoir. C'est tellement sale. Peu importe le nombre de fois où je te lave, tu restes toujours sale. Gracie ? C'est moi, Joe. Est-ce qu'on va jouer à prendre le thé ? Gracie ? Gracie, je crois qu'il faut que tu t'habilles. Tiens, mets ça. Gracie, réveille-toi. Gracie, s'il te plaît, réveille-toi. S'il te plaît, réveille-toi. Joseph, éloigne-toi d'elle. Qu'est-ce qui est arrivé à Grace ? Elle ne bouge plus. Il faut qu'on appelle un docteur pour l'aider, là. Je t'ai dit de t'éloigner d'elle. C'est toi qui as fait ça! C'est toi qui as tué Grace! Je vais aller le dire! Je vais le dire à ma maman! Je vais dire à ma maman ce que tu as fait! Oui, je vais le dire à ma maman! Oui, je vais le dire à maman! Joseph, attends!
Tu l'entends? Tu l'entends pleurer? Gracie? Je sais. Je sais qui est le tueur. Oh mon Dieu. C'est bon, on y est, c'est juste là. Ok, ok, donne-moi la caméra, donne-moi D'accord, la caméra. On y va. Oh mon Dieu, dépêche-toi. Michael ? Michael ? Est-ce que t'es là? Où il est? Je veux dire, je vois pas où il pourrait être. Il est toujours là, normalement. Qu'est-ce que c'était que ça? Hey! Michael? Salut les gars! Michael! Non, non, sois prudent, sois prudent! Lanette, Brandon, dépêchez-vous! On t'entend, hey, Michael! On t'entend, on arrive, d'accord? Dépêchez-vous, j'ai besoin de votre aide, dépêchez-vous! Allez, les gars, on arrive. Mike, on arrive, mon pote. Oh mon Dieu. Vite. Hé, hey, les gars, je suis juste là, dépêchez-vous. Brandon, tu m'entends? Je suis juste là, j'ai besoin de votre aide. C'est bon, on est là, où tu es? Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Lanette, Lanette! Michael! Viens là! Michael! Viens là! Michael! Chut. Oh mon Dieu, Michael! Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Où est Brandon? Où est-ce qu'il est? Qu'on brûle la planche! Brandon est mort! Chut. Viens là, viens là! Viens là! Allez, allez! S'il te plaît, dépêche-toi! Ok. Où est Brandon? Brandon est mort. Comment?
Brendan est mort. Oh mon Dieu. Où est la planche? Elle est sur ton lit. On y va. Prends cette planche, d'accord? Attends. Pourquoi ça? On n'a pas le choix. Chut, on n'a pas le choix. Je vais garder la caméra allumée, d'accord? D'accord. On fait comme tu veux. Je veux juste qu'on parte. Je ne vois pas où je marche. Oh non. Ok. Tout doucement. Parfait. Qu'est-ce que c'était? Oh non. Oh mon Dieu! Chut. Tu vas bien? Lumière. D'accord. D'accord. Reste bien derrière moi, tu m'entends? Reste bien derrière moi. Je suis juste derrière toi. Elle est là. D'accord. Elle est là. Prends-la. Dépêche-toi. D'accord. Je l'ai. D'accord. Prends la lumière. Je prends la planche. Ok. D'accord. Rends-moi la lampe. C'est bon. D'accord. Okay. Quand je dis go, on fonce à la cheminée. D'accord? Un, deux, trois, go. Ah. Je suis juste derrière toi. Vas-y. Dépêche-toi. Je me dépêche. Dépêche-toi. Ok. Je l'ai. Ah bon sang. Allons-y. J'essaye. Vas-y. J'essaye. Où est-elle? Ok. Où est-elle? Elle est là. Qu'est-ce que je fais? Je la jette dedans? Oui. Ok. Ah ah. Brûle-la. Brûle-la. Dépêche-toi. J'essaye. Lance-la dans le feu. Oh, Michael. Dépêche-toi. Brûle-la. Brûle, salope. Hey, beau gosse. Comment ça va aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? Lanette? Lanette! Oh, bordel! Oh! Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Non.